Salut les gars! Salut les gars! Vous m'attendez sagement? Vous avez pas remarqué, j'ai supprimé les commentaires. Parce que j'ai pas envie de voir les commentaires de chien de la casse, tu vois. Ça veut dire en fait, tu me regardes et tu te tais. Je leur ai coupé la langue. Alors les gars, aujourd'hui, on va se retrouver. On va se retrouver sur un petit tutoriel, les gars. Petite pause de barbe. Je sais pas, tu sais quoi? J'hésite, tu vois, à faire plein de trucs. J'hésite à poser un complément capillaire, tu vois, avec une barbe, tu vois. Ou tout simplement poser simplement une barbe, tu vois. Ou laisser pousser mes cheveux, tu vois. C'est-à-dire que j'ai une calvitie, tu vois. C'est-à-dire que, bon, regarde, on va montrer les gars l'envers du décor. Là, je vais ôter mon complément capillaire. Déjà, premièrement, je tiens à te montrer que la colle, les produits qu'on utilise, ils sont pas nocifs, tu vois, parce que regarde, ça n'empêche que mes cheveux repoussent. Ça fait plus d'un an et demi que je mets un complément capillaire. Ça veut dire que il y a aucun souci, tu vois. Mais regardez, ça c'est le résultat de ma greffe capillaire. Donc c'est pour ça, il y en a, ils disent la greffe c'est trop bien. Regarde la greffe capillaire, mon gars. Tu vois, j'ai été faire une greffe capillaire, mon gars. Et au calme, ils m'ont fait un résultat comme ça. Genre, voilà, tu peux y aller, c'est bon. Tu vois bien, c'est pas jouable en fait. Tu vois le problème, il y a c'est beaucoup, tu vois. Ok, ils m'ont dessiné le truc, mais je veux dire, dans l'ensemble, tu vois, c'est pas du tout jouable. C'est pour ça que t'as des mecs qui vont me dire, mais t'as des cheveux, tu vois. Oui, j'ai des cheveux, mes frères, rien à faire, là, tu vois. Bon, effectivement, là, c'est un peu plus long parce que j'ai le complément capillaire, tu vois. Faut que je fasse mon entretien. Bref, j'avais une solution. Je m'étais dit, écoute, pour le fun, laisse-toi pousser les cheveux un maximum pour voir ce que ça donne, tu vois. Mais c'est long, tu vois. Ou sinon, bah, je fais mon entretien, tu vois, je me repose un complément capillaire, tu vois. Et je me pose une barbe. En fait, je vous explique, les mecs. Parce que je pars du principe que la majorité, il y a des gars. La plupart des instituts ne posent pas de barbe, tu vois. Ne posent pas de barbe parce que, tu vois, ils partent du principe, c'est chaud. C'est chaud. Il y a plusieurs techniques. La première technique consiste à mettre de la colle, tu vois, tout simplement. Et poser directement bah, des cheveux, quoi, en quelque sorte. Dessus, tu vois, bon bref, ça c'est une technique que je peux vous montrer. Et il y en a une autre, tu vois, tout simplement c'est de poser une prothèse de barbe, tu vois, qui est déjà faite, directement sur le crâne, tu vois. Moi perso, les gars, je mouille le maillot pour vous, mais moi ça me fait chier, parce que tu vois, de me mettre de la colle dans le visage, tu vois, je fais vraiment ça pour le spectacle, pour vous montrer. Mais ça les gars, il n'y a rien de guignol là-dedans. Il n'y a rien de guignol. C'est des trucs qu'on utilise dans le cinéma. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs depuis des années qu'on utilise dans le cinéma. Après, au quotidien, est-ce que c'est bien de porter une greffe de barbe? Moi, perso, je te conseille pas. Tu vois, moi, je te recommanderais de mettre une greffe de barbe pour le fun. Tu vois, c'est-à-dire, tu vas à un mariage, tu veux te faire un kiff, tu vois, le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, mais au quotidien, de mettre une greffe de barbe. Tu vois, imagine-toi, pour que tu comprennes bien, tu vois, il va falloir qu'on mette de la colle. On va te mettre de la colle sur toute la partie du visage, tu vois. Donc, tu vois, même pour manger, tu sais, tu sens un truc qui est... Déjà, je sais pas. Moi, déjà, je suis pas barbu, tu vois. Mais je sais pas, j'imagine un mec avec une énorme barbe. Tu sais, même pour manger, toi, au quotidien, ça doit être un peu encombrant, tu vois. Alors, imagine-toi une barbe qui n'est pas la tienne, une fausse barbe, tu vois. Sans compter que si ça se décolle, ça risque pas de se décoller. Mais tu vois, si des fois, t'es pas vigilant, tu vois. C'est-à-dire que pour éviter tous ces problèmes, tu vois, le matin, tu te check, tu vois, tu regardes si tout est OK. Et dans la journée, tu auras zéro problème. Tu vois, mais tu as des mecs, en fait, ils prennent l'habitude et ils se checkent pas, tu vois. Sauf qu'après, bah, tu sais, ça fait un peu pas trop incognito, tu vois. Moi, je vois ça comme ça, tu vois. Mais je vais vous... J'appaufine le truc. Je veux être un des premiers à le proposer, tu vois. Tu regardes les autres, personne ne le fait. Personne, parce que ça fait pas trop... Même pas trop incognito, mon gars. Tu vois les trucs, il faut ma moustache à leur frère, ils sont nuls. T'as envie de dire, mais c'est qui lui fait? Dites-moi l'entreprise qui leur colle ce putain de moustache pour que le mec, il se foute la honte. Et la moustache, genre, elle se barre. Les gars, je prends pas d'appel. J'ai dit, aujourd'hui, les haters, ils ne parlent pas, ils n'ont pas la parole. Bref, parce que le problème, c'est que j'ai une communauté, tu vois, de personnes qui sont intéressées. Donc, vous parasitez, en fait, vous parasitez ce live et du coup, ben... Ben, en fait, c'est eux qui sont punis. Alors qu'à la base, tu vois, on est une communauté, tu vois, on est des gars, on est intéressés sur le sujet. Si ça t'intéresse pas, va-t'en, tout simplement. Bref, voilà, donc j'ai parlé, les gars. On va partir sur une fausse barbe. Je sais pas trop, mais tu sais, les gars,
vous avez la possibilité de communiquer avec moi. Il suffit simplement d'interagir avec les cœurs. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord sur quelque chose, vous faites péter les cœurs. Et moi, je me dirais, ils sont OK. Et si tu dis rien, bah, tu dis rien. Ça, je pense, c'est une façon, j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, c'est comme ça pour un Donc voilà les gars, voilà, je sais pas qu'est-ce que je fais, est-ce que je pars? Parce que le problème, je pourrais pas le faire plein de fois, il faut pas que je me plante. C'est-à-dire, est-ce que je mets de la colle? Et en fait, je vais vous montrer les différentes techniques qu'il y a comme possibilité. Alors, nous voilà pour un nouveau tuto. Alors, tu vois, t'assois. La possibilité, déjà, faut dessiner ta barbe. Tu la dessines, tu vois. Ça paraît con, tu vois. Et ensuite, bah, tu colles. Tu vois, ça fait un peu chelou. Hein. Les gars, je vous dis la vérité, on va tenter l'expérience ensemble. Hein. Tu vois, on verra bien le résultat, tu vois. Tu me diras si t'aimes bien, si t'aimes pas. On va checker ensemble, tu vois. Mais, tu vois, comme je dis, il y a trop de demandes. On fait que me demander. Énorme. Les mecs sont complexés par ça. C'est-à-dire que les mecs, ils veulent des barbes, mon gars. Ils veulent des barbes. Donc, tu vois, bref, il y a une technique, c'est celle-ci, tu vois. Je pense que celle-ci, tu vois, après, faut pas douter, tu vois, c'est énorme. Après, tu sais, tu la tailles à la tondeuse, tu vois. Donc, tu as cette technique-là, tu vois. Ou sinon, bah, tu as la prothèse, tu vois, la prothèse qui est déjà directe en place, tu vois. Et là, si tu veux, bon, ben voilà quoi, tu tombes direct avec une barbe mouse, tu vois. Après, tu vois, la dentelle, elle va sauter, tu vois, faut le faire sur mesure, tu vois. Mais en gros, tu tapes direct la barbe. Tu vois, en fait, le truc, ce qui me dérange, moi, là-dedans, tu vois, c'est que je me dis ça, plus des compléments. Si je devrais, par exemple, me déguiser, oui. Mais là, putain, au quotidien, moi, c'est pour ça que je dis tout le temps à mes clients, écoute, tu fais l'un ou l'autre, mais si tu fais les deux, imagine-toi le mec, fausse dent, lentille, une fausse barbe, des faux cheveux, mais mon gars, t'es une autre personne. T'es une autre personne totale, on te reconnaît même pas dans ta carte d'identité. Donc, je sais pas, je serais tenté pour tenter celle-là, tu vois. Après, faut l'affûter, tu vois. Mais ça pourrait être lourd, je regarde en dessous. Mais je sais pas comment je pourrais la tondre en fait après. Ah si, parce qu'elle se colle bien là. T'en as quand même un bon bout, hein, tu vois, qui est accroché. Tu vois, elle se colle un peu aussi en dessous. Mais tu vois, ça pend vraiment trop. Après, c'est hardcore, tu vois. Donc, il y en a une comme ça, tu vois. Ou sinon, bah, tu sais, t'as même la moustache, mon gars. Mais moi, je préfère garder ma moustache, mon gars. Moi, je garde ma moustache. Je ne veux pas celle-ci, moi. Je ne veux pas cette moustache-là. Là, ça fait sortir les flingues. On va les buter, les gars. On va les buter. C'est pas bon, tout ça. C'est chaud. Bref, je sais pas si je pars sur celle-là. Mais sinon, j'en ai une afro. En mode crépus, mon gars. Mais celle-là, c'est vraiment récros. C'est vraiment le mec. Les barbes, ça blague pas. Bien noir, mon gars. Les bonnes barbes, bien noires. Bien, ça blague pas. Bien crépus, mon gars. Quand tu fais de la bise, salut. Je sais pas sur quoi je vais partir, tu vois. Après, tu vois, le but, j'ai pas envie. Moi, au quotidien, je sais que j'arriverai pas. Je le ferai pas. Je me vois pas au quotidien. Déjà, celle-là, je pense que c'est mort. Parce que, tu vois, par rapport à ma moustache, tu vois, ça colle pas. Ça colle pas. Puis c'est vrai, j'ai pas envie d'avoir une barbe comme ça, moi. Tu vois, c'est pas trop mon truc, tu vois. L'autre, après, ça peut être un bondel, tu vois. Et ça peut vous épater. Parce que, tu vois, un complément capillaire bien raide. Avec ça, mon gars. Après, est-ce que je mets la moustache aussi? Franchement, bon, pour vous faire plaisir, vous pensez que je mets celle ou pas? Ouais, bon, allez, toi, tu m'as suivi. Eh ben, je vais essayer celle-ci. On va essayer celle-ci avec un complément capillaire raide, tu vois. Je pense que ça peut bien le faire, tu vois. Je pense que ça peut... Et tu vois, regarde, même avec ma moustache, ça choque moins. Ça choque beaucoup moins que... Et tu vois, la dentelle, je vais la sauter, en fait. Il va être à ras. Ça va être à ras, mon gars. Je vais bien la caler comme ça. Et je pense que je vais la tailler un peu. Je vais pas la laisser, genre, tu vois. Bon, les gars, let's go, on part comme ça.
Je fais quoi? Je me rase la moustache, je mets celle de Gringo. Je mets celle-ci. Tu sais, t'as qu'à faire, on tente le truc jusqu'à la fin. Non? Juste pour voir, vu que c'est un ensemble, tu vois. Mais mon gars, je vais ressembler à un mec mort. Putain. Mais elle est pas mal, hein, la moustache, en vrai, sérieux, en vrai de vrai, tu vois. En vrai de vrai, elle est pas mal, hein. Restez connectés, les gars, si vous voulez voir cette transformation capillaire. Vous allez en avoir pour votre argent, les gars. Et franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous si vous voulez voir du cinéma. Parce que franchement, hey, j'ai déjà checké les lives. Frère, c'est claqué. Vos lives, il n'y a personne qui propose des trucs de ouf. Frère, c'est complètement claqué. Ils se racontent leur vie dans les bagnoles. Je vois des mecs en prison, ils sont dans leur cellule. Vous regardez comme des cons, vous avez que ça à foutre. Vous êtes genre en liberté, vous regardez des gars qui sont enfermés, qui galèrent. Frère, je sais pas, essayez de vous cultiver. Au lieu de faire des lives, tu vois, intéressants, tu vois, qui vont t'enrichir, les gens, ils tuent leur temps à regarder des conneries. Eh ouais, les gars, je vous invite à faire des lives qui vont apprendre des choses, tu vois. Bref, les gars, moustache, putain, va falloir que je rase tout ça. Allez, let's go. Let's go, let's go, c'est parti. Et tu vois, la barbe là, tu vois, genre collée, je montrerai ça le prochain coup, tu vois. Là, on va partir sur celle-ci, tu vois. Peut-être le résultat, il va tuer. Hein. vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être ça va tuer, peut-être ça va être chaud, peut-être ça va. Tu vois, moi, ce que j'aimerais, c'est des avis objectifs. C'est-à-dire, les gars, voyez pas ça comme, tu vois, tu regardes. Moi, je m'en fous, tu peux me dire c'est beau, c'est moche, tu vois, mais soyez objectif, c'est tout ce que je vous demande. Et tu vois, je ferai sûrement un enregistrement de ce live. Parce que malheureusement, tu vois, il y a des gens, ils peuvent pas parler, tu vois, mais au moins, tu vois, comme ça, sur le live, vous aurez la possibilité de mettre des commentaires ou des trucs, tu vois. Mais là, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus sympa, tu vois. Je préfère. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Moi, j'ai pas besoin de 150 personnes. Tu sais, moi, même 50 personnes, même 20 personnes, je m'en bats les couilles, tu vois. Du moment qu'on est dans le même mouvement, tu vois. C'est plus ça, tu vois, que de faire des compteurs et des gens qu'on n'a rien à foutre, tu vois. Et c'est pareil, j'ai failli mettre le truc interdit au moins de 10. Je sais pas, vous entendez bien au niveau du son? Mets des trois cœurs pour voir si tu t'entends bien ou pas. Vous entendez? Normalement, ça devrait le faire. Et tu sais, je pars en Chine. Je me dis, mon gars, je vais partir en Chine en boitant, mon gars. Dans toutes les rues comme ça, tu sais, en boitant, même l'aéroport. Bref, les gars, vous en battez les, hein. On va passer à l'action. Mais tu vois, je vais vraiment faire les choses bien. Donc, je vous explique les trucs. Il faut que je prenne mon empreinte. Tu vois, j'ai pas le choix. Parce que tu vois, si je fais le truc. Le problème, les gars, déjà, je tiens à vous dire un truc. Je ne suis pas en condition comme si je travaillais chez un client. Déjà, premièrement, je suis en live, je suis distrait. C'est-à-dire que je suis pas concentré dans ce que je fais. Donc, si admettons, je fais des erreurs, ne jugez pas mes compétences professionnelles parce que si tu veux, c'est un amusement. Déjà, tu vois, comme je suis sapé et tout, c'est un plaisir. Tu vois, on fait ça comme ça, entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, les gars. Mais tu vois, vous êtes d'accord que la greffe capillaire, c'est pas jouable, franchement. Regarde, c'est chaud. 3000 greffons. Et tu vois, moi, dans ma tête, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me refaire une greffe, en fait. Il me dit, non, non, c'est mort. Donc, en fait, les mecs, ils t'appellent, tu vois, tu vas faire une greffe, ils disent, ok. Sauf qu'après, quand tu reviens comme ça, tu fais, c'est bon, on en refait une autre. Et le mec, il fait, bah non, c'est pas possible, t'as plus assez de cheveux. Mais mec, t'arrives pas pu me le dire avant. Parce que dès le début, il m'aurait dit, t'as pas assez de zone donneuse, j'aurais pas fait ça. Parce que quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir fait ça? J'ai niqué ma couronne, tu vois, et en plus, frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que ça dépend. Il y a des mecs qui vont dire quoi? La greffe capillaire, ça tue, ça marche. Ouais, effectivement, ça marche, mais pas sur tout un crâne. C'est-à-dire que si t'as juste les golfs, si t'as que ça marche. Forcément, ça veut dire que 3000 greffons réunis là-dessus, ça passe. Mais si tu prends toute ta tête, mon gars, c'est mort. T'auras jamais assez. Jamais. Et les mecs, je te dis la vérité, regarde, tu vois, même moi, je pourrais mytho. Un jour, je vous ferai l'essai, je te jure. Hein. Je laisse pousser mes cheveux comme ça. Tu sais, j'ai les cheveux un peu frisés. Donc, tu vois, quand ici ça va friser, là ça va friser, là ça va friser, tu laisses assez épais, tu vois, bien frisé, bien emmêlé, ça sera clairsemé. Poudre capillaire, tu vois que dalle. Et les mecs, la majorité, ils font comme ça, mais c'est pas du taf. Je te dis la vérité, je préfère mettre de la colle et mon complément capillaire, tu vois. Mais c'est pareil, tu vois. T'as des mecs qui vont juger, tu vois. Ils vont dire quoi? Ouais, mais la colle, c'est chimique, tout. Mec, tu mets ça. Tu mets ça sur ta tête.
Tu mets ça, c'est quoi? C'est le même produit fixant. Que t'en mettes là ou que t'en mettes là, c'est pareil. Que t'en mettes sur tes cheveux ou dans le truc, c'est pareil. Produit fixant, ça vient du laboratoire pareil. Donc arrêtez. Peut-être que dans la colle, t'as un peu plus de produits fixants. Mais ce que je veux dire par là, c'est pareil, les gars. Tout ce qu'on met, c'est des produits chimiques. Que tu mets du shampoing, c'est chimique. Que tu mets de la laque, c'est chimique. De la poudre capillaire, c'est chimique. Tout ce que tu mets, en vrai, il faudrait rester normal. Mais tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, tu as un petit sacrifice, mais au quotidien, je te garantis, t'es mieux. La vie d'un mère. Moi, je te dis, je transforme des gars, les gars, ils sont heureux, frère. Faut dire la vérité, frère. Les gars, ils viennent comme ça, ils repartent en mode. Ils repartent en mode easy, frère. Tu vois, c'est difficile de. Tu vois, en fait, on est lucide. Moi, je me regarde dans la glace, je vois qu'il y a un hic, mec. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai concrètement? Tu regardes et tu dis, bon, mec, à part me raser la tête, je vois pas ce que je peux faire. J'aurais beau faire le fondu, faire tout ce que tu veux, frère, quand tu te retrouves comme un, t'es mort. C'est boule à Z. Et crois-moi que des cheveux, tu vas le voir. Tu vas le voir. Je vais me mettre une barbe, je vais me mettre des cheveux et tu verras que ça va changer littéralement ma gueule. C'est clair. Bon, on va passer à l'action. Ah ouais, faut que je prenne la mesure. Là, elle est bien fine. Il faut que je la trouve. Putain, l'autre, c'est noir, sa mère. Fais chier. Là, je vais claquer un peu de noir. Bon, les gars, il y aura une différence de couleur. Il y aura une différence de couleur, mais c'est volontaire. Frère, je vais pas mettre du noir, parce que celle-là, je vais la garder au quotidien, la barbe, je vais la sauter. En vrai, la barbe, elle est noire. Et là, c'est du 1B, couleur noire naturelle, ça tombe sur le châtain. Donc, c'est possible qu'il y ait un contraste, tu vois. Mais ça, tu peux contraster. Je préfère même faire, tu vois, une couleur, mais de la peinture, en gros, pour colorer mes cheveux en noir, tu vois. Et après, je peux les rincer, tu vois. Bon, ça, c'est ma technique, tu vois. Je peux les colorer en noir, je préfère les colorer en noir plutôt que mettre un complément capillaire noir. Ôter la barbe et me retrouver avec des cheveux noirs corbeaux qui sont pas du tout les miens, qui seront pas du tout de la même couleur. Ouais, en fait, ils sont. Ça paraît pareil, mais je suis pas sûr qu'ils sont noirs, mes cheveux, j'ai déjà essayé. Bon, bref, les gars, je reste dans mon game. Faut que je regarde. Qu'est-ce que. La dimension. Faut pas aller la baise. Pas de la baisse, putain. Voilà la chaise qui fait là. On est déjà mieux là.
Bon, les gars, je suis super long parce que j'ai du mal à me décider. Pourrais faire, mais j'ai peur de me chier dessus, tu vois. Parce qu'en fait, pour vous faire court, en fait, elle est plus petite, celle-là. En fait, en tirant dessus, j'ai pas envie de la baiser, en fait, tu vois. Mais d'un côté, ça pourrait faire l'affaire. En fait, c'est du quitte ou double, tu vois. Mais franchement, de faire tout le bordel, tu vois, pour qu'elle pète. En fait, j'en ai des plus grandes, mais si tu veux, j'ai envie de les garder. Tu sais, pour une démonstration, ça me fait chier de niquer une prothèse. Tu vois, les cotons, on est bon. Les cotons, on est bon. C'est l'arrière, en fait, le problème. C'est ça pourrait le faire. Bon, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus, les gars. Ouais, par contre, faut pas que je me nique aussi de faire trop court sur les côtés. Tu vois, je vais y aller par étapes. Donc c'est possible que j'ai des plis, tu vois. En fait, si tu veux, quand t'as des plis, le complément, tu vois, des fois, il a tendance à serrer un peu ton crâne comme ça, tu vois, tu tapes des plis. Mais je veux dire, c'est des plis, c'est rien, ça part, tu vois, c'est comme ta peau quand tu dors, tu vois. Pareil, les gars, je prends des risques. Normalement, tu prends trois miroirs. Moi, je suis tout seul. J'ai mes lunettes, je les ai même pas. C'est pour ça, des fois, je fronce les sourcils. J'ai problème de vue, moi. Faut être imaginatif, les gars. C'est-à-dire que là, vous vous dites, mais il fait quoi, le mec? T'inquiète pas. Mais là, je pense que je vais être obligé de prendre le trois miroirs pour vraiment bien. En fait, trois miroirs, c'est simple, c'est un truc comme ça. Quand t'es solo, c'est top. Ils s'ouvrent en trois parties. Et au moins, tu vois les trois trucs, tu vois. Et tu vois, tu te vois parfaitement, tu vois. Et au moins, t'es sûr de pas faire de conneries, tu vois. C'est juste le temps que je fasse, tu vois, le centre quand t'es tout seul, tu vois, c'est pas, et encore moins dans la vidéo. Donc en fait, là-dedans, t'as pas besoin que ça soit symétrique. On s'en bat les couilles dans le sens où, même s'il n'est pas, tu vois, symétrique, tu vois, tu pourras jouer avec les cheveux. Donc, faut pas vous regarder un truc symétrique. Et tu sais que même la greffe capillaire, à la base, ils essayaient de faire des trucs symétriques et se rendaient compte que ça faisait trop carré, trop Playmobil, tu vois. Là, maintenant, ils font des espèces d'impuretés. Et puis c'est ça qui te donne un aspect naturel. Plutôt qu'être trop carré à la règle.
Bon, grosso modo, ça donne ça. J'ai encore des restes de colle qu'il va falloir que j'enlève. Oh putain. Eh, tu sais, t'as des mecs qui sortent comme ça dans la rue, mon gars. Et quand ils vont dans l'eau, t'as les cheveux qui volent, tu vois, qui sont... Salut! T'avais pas pensé les bronzés font du ski, il y en a un là, comment il s'appelle? Bon, un petit feu de solvant. Le solvant C22, c'est magique, mon gars. C'est ce qui va te permettre d'enlever la colle. Tu vois, là, comme tu peux le voir, c'est une potion magique. Bon, pour ceux qui ont regardé, tu vois, au début, vous avez vu, j'ai des cheveux. C'est-à-dire que les cheveux repoussent. Faut pas vous inquiéter, les gars. Il y en a beaucoup qui se demandent avec la colle. En fait, le complément capillaire, une fois qu'il est fixé sur ta tête, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Et bien heureusement, tu vois, je pense que j'aurais une tête comme ça dans ma tête, je serais au bout du rouleau, tu vois. Mais quand tu sais ce qui existe dans ta tête, tu te dis, pff, je t'en bats les couilles, en fait. Tu t'en tapes total. Bon, mes cheveux, est-ce qu'ils vont pas être trop frisés? Bon, ok. Et c'est pareil, les gars, il y a des formations si vous êtes barbeur. Des formations, mon gars, il n'y a rien de plus lucratif, les gars, que ça. Tu sais, les gens, ils rigolent, hein, je te jure, hein, frérot, ils rigolent, la vie de ma mère, mais ils tapent à la porte. Tu sais, je faisais des lives, là, tu vois. Là, par exemple, j'aurais laissé les commentaires, ils se foutraient de ma gueule, les gens, tu vois. Ouais, t'as vu, t'sais. Bon, après, frère, c'est logique, t'sais, on voit une gueule comme ça, t'es là, t'es chez toi, tu manges un casse-dalle, tu vois un type comme ça, mais t'sais, t'as même pas écouté ce qu'il a à faire, tu te dis, ouais, j'ai fait quoi, on est sur TikTok là-dedans, tu vois. Alors que, tu vois, je trouve c'est top, mais t'as des gars, je vous jure, les gars, moi, je suis charismatique, c'est-à-dire, je m'en bats les couilles, tu vois, tu me sens très détente, je m'en bats les couilles, mais t'as des gars, frérot, ils le vivent mal, hein, je te jure, hein, sur la tête de ma mère qu'ils le vivent mal. Frère, il y a des gens, ils me disent, mais tu sais quoi, tu m'as décomplexé, maintenant j'assume. Mais frère, en fait, t'assumes de quoi? Les gens, ils ont les dents pourries, frère, ils vont en Turquie, ils se remettent des fausses dents, ça fait classe. T'as des meufs, frère, elles ont pas de seins, elles se mettent des implants. Frère, elles viennent, elles sont toutes heureuses, tu vois, et ça fait classe. Ils se font cul, ils se font tout. Frère, t'as plus de cheveux, tu dois rester comme ça. C'est logique. Qu'est-ce que t'en bats les couilles, frère, tu peux mettre des cheveux. Frère, écoute-moi, j'ai été en Turquie. Dans une putain de clinique. Et tu vois, ce qui m'énerve, c'est cette putain de parade. Les mecs, tu sais ce qu'ils disent quand ça n'a pas marché? Ils te disent que t'as loupé. On te met la faute sur toi, genre. Soit t'as loupé, t'as pas bien fait tes soins, ou sinon t'étais dans une clinique de merde. Ou même encore pire, on te dit, t'as été à Istanbul, genre c'est de la... Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Déjà, premièrement. Heureusement pour moi, j'ai les moyens, donc j'ai été dans une très très bonne clinique. Sauf qu'il faut comprendre que t'as des gens, mec, ça passe pas. T'as des gens, ils ont les cheveux fins, frère. J'étais pas un bon client, c'est tout. Faut dire la vérité. J'étais pas un bon sujet, ça a pas passé. Voir le résultat, dans tous les cas, il me plaisait pas. Dans tous les cas, il me plaisait pas. Et moi, ce que je reproche, c'est que dès le début, on m'aurait dit, en vrai, ça serait un résultat de merde, genre, en fait, ça serait clairsemé. Jamais je l'aurais fait. Tu vois? Et après, moi, je me suis rabattu dans un truc où je me suis dit, mec, je fais quoi? Tu vois? Je suis parti sur le complément capillaire. Et moi, je me suis dit à la base, mais c'est une perruque, frère. Je te jure, j'étais comme tout le monde, frère. Je me suis dit, c'est une moumoute. Déjà, tous ceux qui disent moumoute, frère, ils sont à l'ancienne, frère. Ils sont en noir et blanc quand ils parlent de moumoute. Parce que sur la tête de ma mère, les gars, vous n'êtes pas dans ce domaine, frère. Et je te le dis, hein, je suis parti à Los Angeles, là, je pars en Chine, frère. Je sais de quoi. Il y a 500 milliards. 500 000. Frère, moi, je suis un businessman. Je suis un businessman. Moi, je suis dans les affaires. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que t'as des gens, ils rigolent, mais pendant qu'ils rigolent, moi, je fais des affaires, tu vois? C'est-à-dire que pour moi, j'ai trouvé que c'était une merveille. Et je me suis dit, en vrai, mais c'est pas normal, en vrai, c'est pas normal, il y a que moi qui branchais là-dedans. Tu vois? Je me dis, il y en a d'autres, frère, je vois l'huile échauffée, mec, tu vois, ça te dit pas. Et les gens, à chaque fois qu'ils voient le truc, ils se disent, wesh, tu vois? Et j'ai des jeunes, frère, c'est ça le pire, j'ai des jeunes. Les jeunes, ils sont moins comme les anciens. C'est-à-dire que quand t'as 35, 40 piges, 50 piges, tu vois,
Les mecs, ils sont encore dans le délire moumoute, ils ont un peu. Mais t'as des gars, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils viennent, ils s'en battent les couilles, ils ont jamais entendu parler de complément capillaire. En mode 4 jours, le mec, il a vu mes vidéos, il m'appelle, et puis ça y est, le lendemain, il a un complément. Et après, il me renvoie des messages, ouah, ça tue. J'ai montré à toute ma famille, ça tue, frère, c'est la classe. Quand tu l'auras, frère, t'es pas obligé de faire comme moi, t'afficher sur TikTok, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, tu t'en bats les couilles. Frère, petit secret, je te jure, tu pourras pécho, gros, comme pas possible. Et ça, c'est la classe, frère. Frère, je te parle clairement. Ce que je veux dire, c'est que, frère, là, par exemple, je serais comme ça. Je suis pas ouf, frère. Je vais vers une meuf, j'aurais beau bien parler, frère. C'est chaud. Et comme je dis toujours, même si t'as un corps d'Apollon, frère, si t'as une sale gueule, ça, tu pourras pas aller chez elle. Tu pourras pas aller chez elle. Parce que la meuf, qu'on se le dise, frère, elle te regarde à la gueule, frère. Si elle est pas fan, tu passeras pas. Donc, faut t'arranger pour qu'elle t'aille chez elle. Bref, y a pas que les meufs. Y a pas que les meufs. Mais frérot, c'est une bonne motivation. Surtout qu'on vit dans un monde où, frère, c'est l'apparence à 200%. Je te parle de meuf, mais je te parle de travail. Frère, tu viens, tu veux être dans la vente, dans un truc de frère avec une tête comme ça, tu vois, ou je sais pas, frère. On peut pas débattre, frère. Les cheveux, c'est important. Moi, je kiffe. J'ai besoin de cheveux, tu vois. J'ai besoin de cheveux. J'ai besoin de me dire dans ma tête, il y a moyen. Il y a un truc, tu vois. Bref. On va y aller. Et en plus, qui tue, frère, dès que tu l'as, tu vas chez n'importe quel coiffeur. En vrai, ton secret, c'est simplement de te le mettre. Et après, tu fermes ta gueule. T'es dehors, tu fais comme si on avait rien fait. C'est-à-dire que le vrai travail que tu auras, tu vois, c'est quand même l'entretien. L'entretien, il faudra que tu t'y mettes. Faut pas négliger ton entretien. Si tu gères bien ton entretien, frère, il sera solide. Tu pourras te doucher. Elle a la piscine. Je vois des gars. Ils luttent. Tu sais ce que ça veut dire, lutter, mon gars? Lutter, ça veut dire, frère, t'es mort dans le film, mec. Mais tu mets de la poudre, frère. Puis, frère, tu te fais un paillasson avec de la merde sur la tête chimique. Et vous me parlez de colle, les gars. Vous me parlez de colle. La colle, une fois qu'elle est sèche, ça y est, c'est bon. Tu mets ton truc et frère, c'est fini. Tu te sens déjà plus propre. Franchement, tu te sens plus propre que... Frère, j'ai tout essayé. Donc, je suis capable de comparer, tu vois. Et je veux dire, ça fait un an et demi que je le fais, tu vois. Et j'ai essayé toutes les solutions. Moi, j'entendais. J'ai essayé du minoxidil. J'ai essayé la PRP. J'ai essayé de cacher mes cheveux. Frère, ça, c'est encore plus le truc de victime. La vie de ma mère, c'est quand tu commences à glisser un cheveu pour cacher les golfs. Ça commence comme ça, frérot. Tu vois, le mec que tu vois comme ça, comme Berlusconi, il a commencé comme ça, mon gars. Il a commencé à faire hop pour cacher ses petits golfs. Et après, un cheveu, on emmène un autre, on emmène un autre. Après, il y a les années qui passent et la tête de ma mère, frérot, tu finis avec une mèche comme ça, que tu cales comme ça, que tu cales comme une tartine et tu t'en rends même pas compte. Et frère, ton pull ou t'as un coup de vent et on se fout de ta gueule. Et le pire, dans ces cas-là, tu sais, c'est quoi? C'est que les gens, ils font... C'est comme si genre t'étais malade. Ils te feront pas. Ils peuvent pas. C'est tellement choquant. Et tu sens que c'est un sujet tabou où tu peux pas dire ouais, je t'as pas de cheveux, t'as mis des mèches. Jamais. Donc ces pauvres mecs, ils les regardent comme ça, les gens, et voilà. Donc vous dites pas, moi je te garantis, frérot, une fois que t'as ça sur la tête, tu peux être stylé, tu peux être classe. Et comme je dis tout le temps, parce que je suis obligé, c'est mon devoir, les gars, de vous parler des meufs, tu vois. Si tu galères, ça va t'apporter de la beauté, je te jure. Ça va t'apporter de la beauté, du charisme, tu te sentiras mieux dans ta peau, frère. Ça va te montrer, tu vas te rendre pour une nouvelle personne, frérot. Et tu vois, grâce à ça, frère, bah, ça va t'ouvrir des portes avec des meufs. Tu vois, des gammes de meufs que tu ferais pas en vrai. Faut dire la vérité, frère. C'est-à-dire que même si tu fais le mec, ouais, t'inquiète, ça m'a jamais empêché, ok, pas de souci. Sauf que tu perds en gamme. Oui, tu peux te taper des meufs, t'as pas de souci, mais tu perds en gamme, frère. Ça va dépendre. Je parle pas des très beaux. Parce que les mecs très beaux, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que qu'ils aient les cheveux même comme moi, ils seraient beaux gosses, tu vois. Je te parle pas des très beaux, je te parle de la moyenne, de la grande moyenne. La grande moyenne, mon gars, tu vois, sur la tête de ma mère, frérot, qu'avec des cheveux, ils auront plus de meufs, plus de confiance, ils se sentiront dans... Bref, t'es avec une meuf, mec. T'es avec une meuf. Frère, c'est mon travail de pédagogie. T'es avec une meuf. La meuf, tu fermes ta gueule, elle verra que dalle déjà. Tu vois, déjà, avant d'y aller... Tu te check bien, parfait, tu vois. Déjà, crois-moi, sûr, elle pourra pas te l'arracher. Même on parle des ébats. Ouais, mais Tori, frère, arrête. Arrête de faire ton acteur, frérot. Si tu y vas tranquille. Frère, arrête. Arrête de nous faire ton acteur. T'es un ouf, t'arraches tout les rideaux, le truc, oh, calme-toi, tu vois. Et puis, j'ai jamais vu une meuf qui commence à te matraquer, frère, c'est 1%. Mais je veux dire, bien souvent, ça se finit bien gentiment. Ça finit pas en mode, c'est un truc de ouf. Bref. Tu fais ton affaire, frérot, voilà. Et au pire, si t'es mal à l'aise, parce qu'il y a des réflexes,
Frère, t'as des réflexes. Si elle veut te caresser, fais pas des trucs comme ça. Ça, c'est ça qui va te baiser. Elle va vouloir te faire une petite caresse. Une fois, deux fois, elle va dire, il est chelou, il a quoi à la tête? Et c'est là où tu vas te faire griller tout seul. Joue-la, toi, cool. Joue-la, toi, relax. Elle veut te toucher les cheveux, elle touche les cheveux. Après, tu vois, peut-être pas trop, chérie. Tu vois, je me suis coiffé, s'il te plaît, touche pas trop. Moi, quand j'avais des cheveux, c'était comme ça. Personne ne me touchait les cheveux. En vrai, j'avais des cheveux, non, touche pas mes cheveux, je suis coiffé. C'est logique. Même ta meuf, tu verras, si elle fait un brushing, frère, tu vas pas lui toucher ses cheveux. Elle va dire, vas-y, lâche-moi, mec. J'ai payé 150 balles le coiffeur, touche pas mes cheveux. Tu vois. C'est impossible de débattre et défendre cette cause, frère. Tu peux pas. Ce qu'il faut, c'est la rendre accro. Et dès qu'elle est accro à l'amour de toi, frère, elle sautera d'un pont. Donc tu lui dis, ah bah attends, je sais que même au bout d'avant, ça passera. T'inquiète pas. Mais je veux dire, ouais, c'est ça. Parce que t'imagines, tu risques de rencontrer des meufs de passage, ça sert à rien de raconter ta vie à tout le monde. Et comme on dit, moi tu donnes d'informations personnelles sur toi, mieux c'est. Parce qu'après tu les laisses dans la nature et frère, ça va faire un clan. Ouais, le mec, il fait. Imagine, tu deviens je sais pas qui. Tu gardes ça pour toi, frère. Et après, tu te fais bien beau, tout ça, et ça passe. De toute façon, c'est clair, avant de voir ta meuf, faut être parfait. Si t'es parfait, je te jure que t'auras que dalle. Tu pourras faire piscine, même aller sous la douche avec. Tes cheveux vont passer nickel, le frère, on dirait que c'est tes cheveux. Bah, de toute façon, tu vas voir. Mais par contre, ce qui est important, ouais, faut que ton entretien soit bien fait. T'as trop de mecs, en fait, ils le mettent et ils ont l'impression, frère, ils le laissent pourrir sur leur tête. Non, frère, t'as pas le choix. C'est-à-dire, tu l'enlèves si tu vois que. Frère, c'est un de l'entretien. Frère, tu l'enlèves, tu nettoies ta colle, hop, tac, tac, tu remets un peu de colle, tu le replaces, frère, t'es refait. Et là, après, il est solide et t'es bon, tu vois. Faut pas le laisser pourrir sur ta tête, sinon t'es cuit, tu vois. Et surtout, encore moins si tu veux avoir une meuf. Si tu veux avoir une meuf, pour être au top à 100%, je te le garantis, mon gars, je te mets le label sécurité, tu vois. Tu fais ton entretien, tu mets ta colle, tu vérifies que tout est OK et au moins pendant sur une semaine, t'es bon. Sur une semaine, t'es bon. Donc, t'as le temps de partir en voyage avec elle, la voir et t'es bon. Et après, tu reviens, tac. Une fois que tu l'auras bien maltraité à la piscine, tout, voilà. Mais bref, faut pas oublier, les gars, il y a des stars, ils ont ça. Hein. T'as des stars, ils ont ça. Tu vois, tu verras, quand toi, t'en auras un, tu vas un peu plus t'intéresser à ça, tu vois. À regarder un peu plus, tu vois. Je me rappelle, tu vois, avant les lentilles contact, quand on connaissait pas, tu disais, ah, t'as les yeux bleus, frère, tu savais même pas, tu vois. Parce qu'on connaissait pas, et après, maintenant, t'es capable de griller, tu vois. Là, il y a certaines personnes, j'arrive à les griller, mais il y en a des fois, franchement, c'est archi bien fait. Hein. Tu fais toutes les coupes que tu veux. Et c'est pour ça, les gars, si vous êtes barbeur, vous me suivez, les gars, oh, réveillez-vous. 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 La tête de ma mère, que ça tue. Ça tue, il y a des gars, des jeunes, frère, je connais plein de gars, à 17 ans, ils ont plus de cheveux, mon gars. Tu vois bien qu'il faut les sauver, ces gens-là. Hein, faut les sauver. Un mec sur trois. Un mec sur. Déjà, frère, si t'es barbeur, t'en as pas marre de faire des coupes à 5 euros, à 10 balles, à 30 balles. Frère, là, si tu veux, complément capillaire dans ton institut, c'est 550 euros. Et je te dis même pas si t'es bon, si t'es très, 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 très bon, tu peux facile facturer 1200 balles. Facile. Mais faut être très très bon. Parce qu'il y a une forte demande. Mais si tu veux, les gens, je vais te dire la vérité, qu'ils soient riches ou pauvres, la chose qu'ils veulent absolument, c'est que ça soit indétectable, c'est que ça soit solide et qu'ils ne se fassent pas passer pour des trous de balle. Parce que frérot, tu vois bien, tu veux la classe, on est des hommes, frérot, on a une fierté. T'as pas envie de ressembler, de mettre un truc de PD sur la tête, là. Tu vois, un truc un peu comme ça, il ressort comme ça, là. Bien sûr, tu ressors comme ça, frère, on dit un hic. Imagine-toi, le mec qui a la boule à zéro depuis des années, il revient comme ça, hein, salut. Tu vois, on va dire, ouais, t'as un truc. Non, tu fais une bête de coupe, tu vois. Bête de coupe, tu dissimules le truc, après, voilà. Et après, ce qui est bien, une fois que le mec, il l'a sur la tête, il peut, tu vois, tous les mois, il va, ou tous les 15 jours, il se fait son petit dégradé, tac, il fait ce qu'il veut, tu vois. Bref. Les gars, je parle archi grave. On va continuer le truc. Là, je suis bon. Je vais mettre la protection. Donc ça, bête de protection, les gars. Ça, c'est du scalp protect. En vrai, ce truc, tu vois, il va permettre justement de faire une micro... tu vois, une fine pellicule qui va protéger ton cuir chevelu. Et c'est pour ça qu'après, mes cheveux, ils repoussent genre en bonne santé, genre « Coucou, c'est nous !» Grâce à ça, tu vois, ça attaque pas. Regarde, tu peux regarder, en un an et demi, mon crâne, il est pas rouge, il est bon, tu vois ce que je veux dire, il est normal, il est chauve, il est bien lisse. Non, mais je veux dire, mais tu sais, même en un an et demi, j'ai pas trouvé que je mettais plus dégarni que ça. Tu vois, c'est ça qui est ouf. C'est que tu vois, on a tendance à croire que, tu vois, si on a un truc dessus, ça va bousiller nos cheveux, frère. Non, ça tient la route, les gars. Bon, bref. Petite pulvérisation.
Ça pique un peu, tu vois, au début, c'est un petit, ça fait antiseptique un peu, tu vois. Donc voilà, tu vois, tu mets, puis. Ok, je vais sortir. Ah bah tiens, c'est sur le. Putain, je vais raser ma moustache. Oh les gars, si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner, même à ma page YouTube. En plus, je vais partir en Chine, les gars, je vais vous filmer mon road trip, les gars, là-bas. Putain, je vais vous montrer les usines de compléments capillaires. Ça va être une bête d'aventure. Déjà, j'ai fait mon visa, mon gars, c'était hyper chaud. Tu sais, t'as l'impression, la vie de ma mère, tu payes, mais t'as l'impression, t'as peur. T'as peur qu'on te dise non. Tu sais, t'as payé tes billets d'avion, t'as payé ton hôtel, t'as payé tout ça, tu vois. Et frère, t'as peur. Tu sais très bien que sans ça, tu rentres pas dans le pays. Et en plus, j'ai été à Lyon, mon gars. Tu vas jusqu'à là-bas. Moi, je suis Dijon, genre, il y a 250 km, hein, entre nous. Et tu sais, t'es là, tu vois, tu flippes, tu dis, waouh. Et après, on passe ton visa, mon gars, c'est écrit tout en chinois. Mais tu vois, ils flippent, hein. Moi, ils m'ont demandé, t'as de la thune? Eh, frère, ils m'ont demandé des extraits de compte. Des extraits de compte pour voir si, genre, j'avais de la thune. Si j'étais solvable, si j'allais pas partir. Ils vont me dire, mec, c'est le dernier pays où je vais aller, tu vois. Tu sais, je vais pas aller en Chine, frère, à vivre en Chine. Tu dois vivre en Chine. Frère, au pire, au Japon. Mais frère, en Chine, frère, à côté de la Corée, de Taïwan. Et en plus, les gars, vous savez quoi? J'ai été retirer de la thune, tu vois. J'ai prié. J'aime bien avoir du liquide, tu vois, comme ça, je suis bon. Je savais même pas, frérot, là-bas, t'as le dollar chinois. Je sais pas comment ils appellent ça. Le dollar hongkongais. Il me semble que c'est ça, je dis pas de conneries. Non, 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 c'est même pas ça. Congolais, frère! Congolais! Est-ce que tu le savais, mon gars? Dollar congolais. T'es congolais, tu penses à genre un pays d'Afrique? Non, non, frère, le dollar congolais. Et en vrai, t'as les yuan, frère, je parle même pas chinois, frère. Et apparemment, la ville où je veux aller, moi, je parle anglais, tu vois. Mais la seule, là-bas où je vais, ils parlent tous chinois. Et donc, il a fallu que je prenne des traducteurs, ça va être encore une sacrée mission, mon gars. Mais bon, bref, le pays, il est chelou. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les dollars congolais, d'un autre pays, t'as, tu sais, d'un autre côté de la ville, tu vois, bah, t'as les yuan, frère, c'est un bordel. C'est un peu chacun leur sauce, tu vois. Et là, récemment, j'ai entendu dire qu'ils voulaient construire une autre capitale. Tu sais, genre, ils ont décidé. C'est comme nous, la capitale de France, c'est Paris. C'est comme s'ils disaient, tiens, on va se faire une autre capitale. Genre, pour pas, il n'y avait pas assez de bordel, tu vois. Mais ouais, dollar congolais, tu dis. Mais heureusement, moi, je vais à Shanghai. En plus, c'est pareil, les passeports. Et là-bas, ça blague pas. Frère, je sais même pas comment je vais faire mes réseaux. Tu vois, moi, quand je vais en voyage, tu vois, je suis assez avec ma communauté, tu vois. Mais là, frérot, TikTok, c'est censuré. Facebook, je crois, ça existe pas. T'as pas le droit. Il y a trop de trucs censurés. Donc, je sais même pas comment ça va se passer, frérot. Je vais aller là-bas. Je sais même pas, frérot, comment ça va se passer. Je sais qu'il y a un truc. Je crois que eux, c'est WeChat. WeChat, c'est un genre, ils ont que leur fonction, que leur truc de là-bas. C'est-à-dire que là, en vrai, j'ai TikTok, mais vu que c'est TikTok France, est-ce que là-bas, ça va me censurer? Est-ce que genre, il va y avoir un petit chinois qui surveille tout ce que je dis? Dès que tu mets le morceau, le truc chinois, t'as toutes les caméras partout. Tu sais, je vais me faire surveiller dans les ruelles. Bon, les gars, on m'a dit un truc aussi qui était pas très bien. Je sais pas si je peux parler de ça avec vous. On m'a dit que j'allais sûrement manger du chien. Moi, je dis n'importe quoi, hein. Si c'est bien cuisiné, ça se trouve, ça sera bon. Mais c'est vrai que ça risque d'être chelou. Je pars 15 jours, je sais même pas. C'est la première fois que je vais là-bas.
Mais par contre, une chose est sûre, on en rigole, les gars. On en rigole, ils vont dire, oh, toi, tu rigoles. Nous, on rigole pas. On en rigole, mais ce que je veux dire par là, c'est que la Chine, mon gars, c'est l'usine du monde, frère. Faut aller à la source. C'est pour ça que je vais là-bas. C'est que tout autour de toi, frère, vient d'Asie. Tout, frère, tout. Regarde, trouve-moi un truc autour de toi qui vient pas de là-bas. Tout. Même si tu le sais pas, indirectement, tu auras des trucs. C'est-à-dire, même tu as un téléphone Apple, il y a des pièces dans ton téléphone qui viennent d'Asie. Tout. C'est ouf, c'est l'atelier du monde. C'est l'atelier du monde. Et si tu veux, au bout d'un moment, moi, je me dis, frère, voilà pourquoi je vais là-bas, parce qu'au bout d'un moment, il faut aller à la source, frère. Tu veux faire du business, tu veux faire des affaires, frère, faut pas avoir peur de bouger, frère. Et même par rapport à ma communauté, frère, c'est comme ça que t'es crédible. Il regarde, il est en train de se délabrer de pire en pire. Donc l'idée, il faut se caler à ras, tu vois. Faut couper le surplus. Frère, elle est bien calibrée. On va commencer à mettre la colle. Putain, mec, de tartiner la gueule. T'as ce qu'on fait pas, les gars. Faut être con. C'est pas être beau. Mais qu'est-ce qu'on est con. Mais qu'est-ce qu'on est con. En fait, tu vois, les gars. Quand elle est blanche, c'est pas bon. Faut qu'elle soit transparente. Ah, faut que je dessine ma barbe, je vais la dessiner en même temps. Frère, je fais ça à l'arrache, commencez pas à me dire c'est bien, c'est pas bien. Mais non, mais ah oui, si, c'est ça pour la colle. Je vais pas le faire parce que c'est une protège qu'on fout. Tu vois, elle va s'adapter direct. Tu vois, faut surtout qu'il n'y ait plus d'impureté parce que ça va se voir sinon. Ah, frère, je mets la dos, je blague pas, putain. Je mets la transparente. C'est là, les hardcore. C'est pour ça, mec, patron incognito, ils font quoi, frérot? Mais comment le mec, il arrive à se faire sauter la soeur? Frère, moi, j'arrive pas à piger. Je te jure, j'arrive pas à comprendre. Ils font une émission télé. Le mec, ils sont censés le déguiser, frère. Le mec, il perd sa moustache en plein tournage. Frère, en plus, ils mettent ça, ils le coupent même pas en cut. Ils mettent ça, ils affichent devant tout le monde. Frère, vous en pensez quoi? Vous trouvez pas que ça fait guignol? Patron incognito, on dirait qu'ils se foutent de notre gueule. Frère, c'est censé être des équipes de machin. Le mec, il ressemble. Frère, tu le vois tout de suite, il est cramé à des kilomètres. C'est un peu comme ton père quand il se déguise en Père Noël et qu'il fait croire que c'est le Père Noël, frère. Tu reconnais ses chaussures? Voilà, là, mon gars, ouah, ça blague pas.
Frère, je vous dis, je fais un test. Putain, ça fait vraiment... Mec, en plus avec le tatouage, ça fait vraiment le mec, il est dans le moto. Bonjour, je viens chercher une bière. Bien fraîche. J'arrive pas à me rendre compte. C'est pas trop mal. Putain, c'est pas trop mal du tout. Mais moi, je pense que je la couperai un peu. Tu vois, je pourrais même... Ouais, c'est pas trop mal. Ça paraît chelou. Après, les gars, vous êtes dans le game. Hein. Vous savez ce qui se passe. Hein. Vous êtes dans le game, les gars. Ah, je suis sûr que ça peut commencer à faire quelque chose de ouf, hein, mon gars. Mais ça fait même peur. Sur la tête de ma mère, plus je vais me transformer, plus dans ma tête, je vais me dire, frère, je suis une autre personne. Ça fait pas le gars, il rigole avec sa guitare. Putain de merde. Ouais, après, tu te les sucres. Tu vois ou pas? Tu te les sucres, mon gars. Mais je veux dire, personne va te l'arracher, gros. Personne va me l'arracher. Par contre, moi, je comprends pas Patron Incognito sur la tête de ma mère, frérot. C'est chelou, leur truc. Le mec, il perd sa moustache. Frère, t'as mis de la colle, t'as mis de la t'as fait quoi? Pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est sacrément pas mal, tout ça. Bon, on va caler cette putain de barbe. J'aurais dû peut-être mettre la barbe avant, en fait, tu vois, pour que les poils de la moustache... Bon, en fait, ça va le faire. Mais tu vois, t'as beau dire, franchement, je pense que tailler, ça ferait moins cramer qu'en fait, comme ça, tu vois. Après, faut voir, je vais essayer, tu vois, avec... Je vais essayer avec tout, la totalité... Faut bien que je commence par là. Et après, bah, je la fais monter là. Hein. Putain, les gars, ça fait... Je te jure, je me fais peur sur la vie de ma mère. Je me dis, c'est chaud. Tu sens que... Et c'est pour ça que, les gars, il y a un effet psychologique, quand même, il faut dire la vérité. Moi, je veux pas... Je me prends sérieux, tu sais, j'en oublie que je suis comme ça, tu vois. Mais je veux dire, sur la vie de ma mère, c'est vrai, c'est chaud. Ça fait un choc. Ça fait un choc parce que sur la tête de ma mère, frérot... Ta famille, elle va pas te reconnaître. Et même toi, tu sais, si t'as la boule, tu vois, depuis des années, frère. Et qu'après, bah, tu te retrouves avec, tu vois, une moustache, une barbe, frère, t'es une autre personne. Bon, je vais mettre ma barbe. Je vais mettre la barbe. Donc, c'est pareil, il faut couper la dentelle, tu vois, c'est une petite dentelle, justement, pour la tenir. Regarde bien si je suis en live, tu vois. Parce que tu vois, je ferai une rediff, tu vois. Mais les gars, regardez, tu vois, faites pas les mecs, vas-y, c'est que dalle. Je ferai une rediff, tu vois. En tout cas, si t'arrives à rester jusqu'à la fin, t'es un bon. Toi, t'es un vrai. Toi, tu fais partie de la famille.
Tu vois, j'essaie de vous montrer, je suis sympa. Y a personne, les gars, qui fait ça en France. C'est pour ça que vous lâchez. Personne, frère, personne. Personne fait ça en France. Personne fait du tuto, vous montre comment on fait une fausse barbe, comment on fait tout ça. Et c'est toujours pareil. Les gens, ils sont comme As, frère. Quand ils voient, c'était facile. Comme un pâtissier, tu vois, ou les gens qui font la cuisine. Mais en fait, c'était ça, frère. T'avais pas l'idée, frère. T'as ouvert le frigo, t'as dit, y a rien à manger. Lui, il a fait un truc de ouf, un festin avec ce qu'il y avait dans le frigo. Frère, c'est facile. Là, tu critiques, mais ce que je veux dire par là, dans la rue, ça passe nickel. Là, forcément, tu vois, donc tu vas chercher, tu cherches l'erreur, tu vois. Là, si tu me connaîtrais pas, tu dirais, putain, il a une de ses moustaches chelou, le mec. Pourquoi il se laisse pousser une moustache comme ça? Tu te dirais pas, il a mis une fake moustache. C'est pareil, après, tu vois, bon, bref, on va la là. En plus, tu vois, les gars, je vais ressembler à un gars sur TikTok, là, tu sais. Il y a un gars sur TikTok, vous avez jamais vu, il a un béret, là, il parle bizarre, tu vois, j'ai survolé ces trucs. Tu vois, il a une barbe, lui aussi, bien, bien taillée, comme ça, et des cheveux, en bandana. Frère, je vais être son sosie. Quoi, son sosie? Tu vois de qui je te parle, c'est pour ça que t'as même un petit cœur. Mais j'hésite, en fait, est-ce que je les sucre? Est-ce que je les sucre ou est-ce que... Mais tu vois, déjà, je vais les tenir juste pour pas que ça se mette à... Putain, mais je sais même pas comment je vais les attacher. Putain. Frère, je vais ressembler à rien, mais je m'en bats les couilles. Je vais vraiment jouer la technique. Je vais mettre du scotch. De toute façon, frère, je ressemble déjà à rien. On n'est plus à ça près. Pas me prendre la tête, je vais coller ça comme ça. Il faut juste qu'il n'y ait pas un poil qui touche. Ça tient pas, putain, comment je peux faire? Putain. Putain, mais je peux les mettre comment, putain? Ah ouais, bah tiens, regarde, je vais les caler comme ça. Ça sera déjà moins prise de tête. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un bout qui se décolle, attends. En fait, tu vois, la colle, en vrai, faut attendre 48 heures. Donc, c'est sûr, si tu la maltraites dès le début. Et ça, c'est pareil. S'il arrive un truc comme ça, faut recoller. Frère, c'est simple. En vrai, si tu veux un résultat solide, solide, c'est 48 heures. C'est-à-dire 48 heures, tu fais pas le ouf à tirer comme je fais. C'est-à-dire tu laisses tel quel. Pendant 48 heures, pas d'eau, rien. Tu laisses bien que la colle tire. Après, t'es refait. Après, faut pas oublier, c'est des petites surfaces, tu vois. Tu vois, ça se fait chasser vite, hein. En fait, faut pas que je fasse le ouf parce que sinon ça va la décoller. Putain, frère, je sais pas comment la mettre. En fait, j'aurais pas dû la mettre tout de suite. J'aurais dû déjà commencer par la barbe. Et le problème avec la colle, c'est que ça va m'emmerder. Ou je la coupe. Je coupe cette putain de pointe. S'en bat les couilles, frère. Je sais pas si je coupe les pointes. J'ai peur de le regretter. De toute façon, écoute, si ça se décolle, je recollerai.
Putain, c'est vraiment la misère. Frère, je suis plus à ça près. Voilà, c'est parfait. Ok. Ça sèche assez vite, hein. Et après, pour accélérer le truc. Tu vois, mec, ou pas? Vois, tu sens quand même. Frère, je suis pas un mytho, je te dis le ressenti. Tu sens quand même, mec, c'est pas très confortable. Je vous ai dit, on fait un test. Je vais faire le mieux que je peux. On verra ce que ça donne. Je vais mettre des cheveux, une bête de barbe, et on verra. Pour ceux qui sont restés depuis le début, ça leur permettra de voir justement le avant-après. Et tu vois, il n'y a rien de rediff. Les gars, si vous êtes fan de ce contenu, abonnez-vous les gars, c'est que le début. Abonnez-vous sur YouTube, surtout, il y a tous les liens en description. Et pour ceux qui m'ont suivi, hein, je fais que monter les gars. En un an et demi, j'ai commencé à me faire un putain d'empire, tu vois. En un an et demi, mec. Première, tu sais quoi, j'ai ouvert ma boîte. Au bout de 3 semaines, j'étais déjà rentable. Imagine-toi. Et pourtant, j'ai eu des entreprises avant. Au bout de 3 semaines, j'étais rentable. Je veux pas prendre de live, les gars, qui nous parasitent, tu vois. Et tu vois, vu qu'on sait pas leur démarche, tu vois. Ça, c'est une colle, mon bol, va pas bloguer. Tu vois, déjà. C'est important, les gars. Faut utiliser les bons produits. Si tu utilises de la merde, tu peux pas remettre en cause le truc. Putain, celle-là, elle sent un peu fort.
Ça, tu vois comme ça tire sa mère. Ça me l'a pas, je pense que je suis bon. Je peux te garantir que tu as le tien, sa mère. Hein. Wesh. Putain. Frère, je suis un autre homme. Je suis un putain de fucking autre homme. À 4 heures, j'étais censé en reluquer, mon gars. Mais mon gars, frère, touche pas ma barbe, sinon ça va chier. Et tu sais, je sais pas pourquoi, quand t'as une barbe comme ça, t'as tendance à tenir comme ça, tellement c'est imposant, tu vois. Oh putain, oh putain, mon gars, cette fameuse barbe, frère, je suis pas barbu, mais frère, je le serai jamais. Faut qu'on arrange un petit peu. Faut qu'on arrange le. Putain, mais mec. Je suis même pas sûr qu'avec le complément, mon gars, ça va. Frère, c'est chaud. T'as beau dire que frère, quand t'as une barbe comme ça, faut assumer. Hey, mec, faut assumer. T'es une nouvelle personne. Et tu vois les gars ce qu'ils proposent? C'est genre la boule à Z et comme ça. Genre, t'es beau, frère, je ressemblerai quoi avec un gars comme ça, mec? C'est ça qu'on nous propose, frère. On nous propose, fais-toi la boule à Z, mets une barbe. Genre, c'est la carte. C'est quoi, moi, frère, les gars? Regarde, je t'explique, encore un style de mec qui a la boule à Z. Voilà. Et puis après, tu te demandes pourquoi tu te fais contrôler par la police. C'est chaud, je ressemble à un Afghan. Là, on a l'impression qu'il me manque plus qu'un Kalachnikov, frère. Frère, je ressemble à un mec bizarre. C'est. Putain, mec. C'est chaud. On continue, les gars. On continue cette putain de transformation. Voilà, faut que j'affûte un peu. Attends, est-ce qu'il faut un recol? Non, je pense pas. Putain, mec, là, rien de... Tu sais, quand t'es solo, frère, c'est pas facile. Je vais me couper un bout d'oreille. Après, tu vois, je vais faire les contours. On va attendre que ça sèche un peu.
Mais ouais, elle tient quand même bien, putain. Mais après, je pense qu'il faut la tailler un peu, tu vois. Faut la tailler un peu, cette putain de barre. Bon, les gars, on va continuer. Parce que c'est pas tout, faut qu'on mette des cheveux. Putain, mais tu vois, en fait, je pense que des cheveux noirs, ça serait vachement mieux, quoi. Parce que les cheveux châtains. Ouah, frère, ça fait putain, non, je vais mettre le châtain. Parce que sur la vie de ma mère, si je mets noir, ça fait vraiment un afghan, frère. Ça fait vraiment. Ça fait trop. Parce que le but, c'est de faire un truc beau, tu vois. Le but de cette transformation, c'est de faire quelque chose de bien. C'est pas de ressembler à un biker. Donc, faut que. Je pense que je vais essayer de la tailler. Parce que je crois qu'il y a en dessous, il y a moyen. Je vais la tailler un peu. Ouais, il faut la tailler, puis je vais la tracer, tu vois. Je vais la tracer. Bon, on va foutre. J'ai mis la protection, je vais mettre la colle maintenant. Attends, je peux le miroir là-bas. Oh, putain, c'est pas mal, hein, franchement, même sur le frigo. Eh, regarde sur le côté, franchement. Ça passe quand même, non? Je m'y fais pas du tout. Mais sur le côté, ça fait vraiment. Eh frère, je l'ai même pas encore arrangé, mais je veux dire, regarde sur le côté. Là, ça fait chauffeur de bus. Bon alors, tu montes! Tu montes ou pas? Dépêche-toi vite! Mais c'est pour te dire qu'au cinéma, quand tu regardes, t'as jamais vu des mecs, ils sont doux comme des agneaux, ils arrivent à les transformer en vénères, tu vois. Tu les mets un peu en mode muscule, tu vois, tu mets deux, trois tatouages, et frère, tu fais passer qui tu veux pour un méchant, tu vois. Mais par contre, c'est plus dur de faire passer pour un méchant, un méchant pour un gentil. Surtout quand elle a une tête de ouf, tu vois, t'es genre plein de cicatrices. Les gars, ils essaient de faire gentil, mais ça passera pas. C'est pour ça, le meilleur, faut être un gentil méchant. On est obligé, tu vois, franchement, dans cette planète, d'être un peu méchant. Si t'es gentil, frère, tu te fais croquer. Tu te fais croquer tout cru. Et attends, je le mets derrière. Un peu là. Toi, en fait, j'en mets derrière la tête, tu vois, je pouvais pas le faire comme ça pour la caméra.
Voilà, j'en ai mis. Donc tu vois, il y a pas mal de mecs qui font l'erreur en fait de se dire j'ai mis de la colle, vas-y, bam, je le claque direct le truc, tu vois. Alors qu'en fait, il faut attendre. Je suis pas trop loin du cercle. Vois, les gars, je fais ça face caméra, c'est pas très tranquille. Frère, tout seul, cache-moi, mais plein la gueule avec le portable, avec tout ça. Putain, c'est pas du travail, mais bon, c'est pour vous faire un spectacle, les gars. T'as compris le concept déjà, tu vois. Après, c'est que des finitions. Qu'est-ce que j'ai foutu souvent?
C'est quoi? Je voulais tailler la barbe tout de suite, mais je me dis, tu sais quoi, on va attendre la fin. On va attendre la fin. Ça prendra toute sa forme. Je trouve que c'est plutôt carré, franchement. C'est plutôt carré. En fait, quelqu'un qui est vraiment fan d'une barbe, je me dis, pff, si ça peut être un kiff, tu vois, je me dis, si c'est un kiff qui se tape une barbe, tu vois, pourquoi pas? Bon, allez. Si tu fais de la moto, mon gars, si tu fais de la moto, ça fera ça. J'ai jamais vu les bikers faire ça partout, pas en pointe comme ça. Oh, punaise. Bon, attends. Ok. Je vais chercher un truc. Je suis pas organisé, les gars. Il faut peut-être attendre encore un peu. Je vais dire la ligne frontale. Est-ce qu'elle est bien? Tu vois, faut pas t'emmerder avec ça, ça va se voir après. Et en plus, faut que je fasse attention parce que j'ai les mains un peu noires. Sans que ça accroche sa mère. Je vais en mettre derrière.
Oh putain, je pense qu'il faut que je recoupe un peu. Je pense qu'il faut que je recoupe un peu. Ouais, tu me diras, ça va le faire. Ça va le faire, les gars, tranquille. C'est assez loucheuse, tout va bien, les gars. Mon complément, où est-il? Qui m'a volé mon complément? Donc en fait là je coupe la sécurité du complément capillaire. Je le dis pour ceux qui sont pas au courant, il y a un décalage d'écart, tu vois. Il y a un décalage de couleur, c'est volontaire. En vrai, je vais te montrer celui que j'aurais dû mettre. Celui que j'aurais dû mettre, c'est celui-là. Mais je trouve que c'est trop foncé. Parce que tu vois, la barre, je vais pas la garder, tu vois. Je vais la virer. Et je veux pas rester avec un complément capillaire noir comme ça, ça me correspond pas. Je préfère, tu vois, du noir naturel, un peu qui tire sur le châtain. C'est plus sympa que... Tu vois, il y a des gars qui ont des couleurs noires comme ça, tu vois. Mais moi, j'ai pas. Ça va faire trop foncé. Tu vois, ça va faire trop chelou, tu vois. Et là, en vrai, pour la démonstration, ça aurait été bien de l'avoir, tu vois. Mais voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais dit, voilà, je ressemble à un Afghan, les gars. Je retourne dans ma colline. J'ai rien contre les Afghans, mais tu m'as compris, tu sais, la dégaine, tu vois. Mais là, il faut que j'essaye de faire un truc propre, tu vois. Je sais même pas comment je vais faire, sur quoi je vais partir, tu vois. Mais déjà, je vais rétrécir la barbe. On verra. Je vais essayer de faire quelque chose. J'ai dit, de toute façon, on voit, on essaye. Hein. On essaye, les gars. Bref, donc c'est pour ça, s'il est un peu plus clair, faut pas vous inquiéter. Puis en plus, il suffira que je vais réussir à le mettre comme ça. Mais sauf que ça sera un châtain. Bon, toujours faire attention, regarde, tu vois. Là, j'ai les mains, comme tu peux le regarder, il y a du noir. Et ça, faut faire archi gaffe, gros. Tu vois, si tu touches ta ligne frontale, parce qu'en fait, si tu veux, la colle, ça va carrément t'imprégner le truc et t'es baisé après. Si tu mets ton complément, le complément, il est tellement fin que si tu veux, tu pourras jamais. Ça sera trop tard pour nettoyer. Tu sais, une fois qu'il est fixé, frère, tu vas pas soulever. T'es niqué. Donc, fais vraiment attention d'avoir les mains propres. Tu vois, d'avoir vraiment les mains propres, qu'il n'y ait pas de saleté, touche pas trop. Tu vois, faut qu'elle soit nickel. La ligne frontale, tu vois. Même si c'est un peu blanc là, tu t'en fous, avec les cheveux, ça va cacher. Mais ta ligne frontale, faut qu'elle soit nickel. T'as pas le choix. Bon, il y a un risque, c'est que je le déchire. Je préfère vous le dire, les gars. Parce qu'il est plus petit que ma tête, tu vois. Mais si tu veux, il y a des fois, tu peux te la jouer, tu vois, en tirant. Tu tires un petit peu, ça peut le faire. Mais il y a des fois, ben, le risque, c'est de le péter. Après, moi, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois. Donc, mais ça fait chier, tu vois, de flinguer un complément.
Et tu vois, il y a des gens, je suis persuadé, ils me demandent en live, ils veulent tchatcher avec moi, mais frérot, ils ont rien à raconter. Moi, je te dis la vérité, je suis un professionnel, je fais de l'argent avec mon métier, tu vois. Et je veux dire, t'as quand même des gens qui galèrent et qui se pensent, tu sais, qui pensent en fait qu'ils sont mieux que toi. Moi, je les laisse en vrai, tu vois. Mais je veux dire, en fait, aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, il y a trop de manque de respect. Il y a pour rien, pour rien. Avant, tu vois, les gens qui étaient connus, qui faisaient du contenu, on les respectait. Maintenant, on les défie, tu vois, on leur manque de respect, tu vois. Il n'y a plus de respect, frérot. C'est pour ça que je te dis, il faut malheureusement être méchant, il faut insulter, il ne faut pas te laisser faire. C'est triste, hein. Parce qu'après, tu peux pas te laisser marcher dessus. Mais des fois, ce qui fait peur, tu vois, c'est de te dire, ça va finir comment ? Ça va à la bagarre, mais moi, j'ai beaucoup à perdre, hein. J'ai beaucoup à perdre, les mecs. C'est ça, le truc. C'est pas genre, je vais au Club Med, je vais en prison, je fais des TikTok. Non, c'est j'ai beaucoup à perdre. Il y a des gens qui comptent sur moi. Donc, tu vois, t'essayes d'être sans froid, tu vois, mais tu vois, des fois, t'as ta fierté, mon frère. Tu te dis, oh, il m'a dit ça, comment je fais? Regarde, il y a des fois, dans des lives, tu vois, moi, j'ai des répercussions après, tu vois. On me dit, ouais, il s'est dit ça. Frère, j'avais une vie avant mon boulot. Mais les gens, ils se sentent obligés de donner ton identité. Ah, t'habitais pas là. Mais en fait, je m'en bats les couilles, frère. En fait, j'ai ma société, je suis déclaré. Si tu veux mon nom, tu vas le trouver. Mais ce que je veux dire, à quoi ça sert que tu dis que mon grand-père, il s'appelle un tel, que tu m'as vu, on se promenait au parc, qu'on était à l'école ensemble, frère, dans un live. Frère, j'ai une barbe, je suis chauve, tu me racontes... Tu te rappelles quand on buvait le café ensemble, frère? Dis-moi ça en privé. Mais t'as des gens, tout ça pour faire, je le connais. C'est pour ça, la notoriété, les gars, moi, je suis pas dans ce game, j'aime pas. Je préfère ne pas avoir d'abonnés, frère. Je suis un gars d'Internet, hein, je peux te le dire. Internet, ça a évolué en mal de ouf. Parce que tout le monde va finir avec 1 million d'abonnés. Tout le monde, frère, parce que c'est comme ça. Avant, il n'y avait pas Internet. Donc, les gens, ils avaient 1 million, tout, tu suivais. Mais maintenant, tout le monde veut avoir sa chaîne. Tout le monde veut avoir son truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des YouTubeurs qui galèrent à faire de l'audimat. Parce qu'avant, ils étaient tout seuls. Mais maintenant, il y en a, frère, il y a des fois, je vois des gens, ils ont 1 million, je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est, frère. On me dit, tu connais pas lui? Non, non, je le connais pas du tout. Frère, c'est bon, c'est fini. Je crois qu'ils avaient dit, je crois, il y a 1500 personnes qui ont plus d'1 million déjà en France. Donc, je veux dire, maintenant, on va là-dedans. Même nos mères, nos pères, frère, ils vont sur TikTok, frère. Parce qu'on est dans un monde comme ça, maintenant. Et le pire, c'est les petits. Parce qu'ils sont à l'école, donne ton TikTok, ils vont en soirée, donne ton TikTok, frère, ils sont là, ils filment leur récréation, leur bouquet, frère, c'est normal qu'ils nous dépassent, frère, faut dire la vérité. Et dès qu'ils voient un daron avec une barbe, ils disent, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous sur notre TikTok? Frère, c'est une histoire de dimat, hein. Chacun capte son truc. Mais bon, pour vous dire que, ouais, trop de manque de respect. Et regardez, franchement, ça paye pas. Ça paye pas, et puis l'État, ben... L'État est débordé. Comment tu veux faire? Franchement, mis à part, franchement, lâcher l'affaire avec les réseaux. Et moi, je l'ai toujours dit. Tu veux que je te dise la vérité? Avant, quand je faisais de la notoriété, je visais des thunes. Franchement, je te dis la vérité. Jamais j'ai fait ça pour faire. Je suis prêt à faire le guignol, mais pour des thunes. Tu vois ce que je veux dire? Je fais pas le con comme ça. Même là, indirectement, les gars, je fais ça pour des thunes. Toi, tu crois que je fais le mongol? Non. Ça me génère de l'audimat, ça me génère des vues, ça me génère des découvertes. Il y a des gens, il y a peut-être une vingtaine, une cinquantaine de personnes qui se foutent de ma gueule, mais derrière, il y a peut-être une centaine de potentiels clients. Et oui, et je t'ai expliqué, 550 euros par personne, frère. Il y en a qui s'amusent, il y en a qui travaillent, frère, et c'est ça le truc. Les gens, ils ont pas la même façon de penser, mis à part écouter des phrases. Tu es un lion, en toi, un jour, ça payera. Frère, il n'y a pas d'un jour, frère, faut... Et j'ai même pas envie de prêcher la parole, parce que frère, il y en a trop qui font les voix du bonheur. Écoute, un lion est en toi. Attends, et la chance viendra à toi. Frère, la chance, elle vient pas, tu vas attendre, tu vas juste taper des rides et des factures. Frère, faut aller chercher l'oseille. Bref. On va bientôt y aller, les gars. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Putain, faut pas que je me trompe. Un moment de calme. C'est mis ici. Et là, t'entends le cœur. Et tu sais, en fait, je t'explique. Ce que t'arrives pas à imaginer, c'est que là, c'est décisif, mon gars. Si je fais le con, je suis baisé, frère. Ça peut finir en pli, ça peut finir que mon complément, il s'arrête là, et j'ai baisé l'arrière, il peut se déchirer, frère.
le moment est décisif, tu vois. Surtout qu'en plus, t'es à l'aveugle. T'es à l'aveugle, tu l'as dans la gueule, frère. Faut vraiment bien viser, tu vois. Tu peux pas t'y reprendre. Je compte sur mon expérience et mon professionnalisme. Attends. J'ai volontairement pas mouillé mon complément pour justement... Attends, faut pas que je me trompe, faut bien que je le tienne droit. Ok. Tu vois, en fait, faut faire attention que les cheveux ne viennent pas dessus du tout. On va bien le tirer, je pense. Attends, faut que je le cale sur une pointe. Et mon gars, là, j'ai plus le choix. Ok. J'espère que je suis pas niqué là, le près droit. Putain, en fait, le problème, t'es dévoué. Ouais, c'est bon. Tu vois, quand tu te le poses toi-même, c'est pas facile, faut y arrêter. Et surtout quand t'as des abonnés qui te témoignent. Ok. Eh ben, tu sais quoi? C'est pas trop mal, les gars. C'est archi pas trop mal. Ok, je regarderai les trous d'or. Eh ben, tu sais quoi? C'est pas trop mal du tout. Je vous l'ai dit, les gars, faut de l'imagination. Oh putain, je rends un petit pli, ça m'a. Bon, ça va pas du tout avec la barbe, tu vois, mais... Ça vous bouche un coin, les gars. Tu vois ça, mon gars, comme on voit mon crâne et tout. Tu vois ou pas? Et c'est solide, hein, c'est bon, hein, ça y est, c'est fixé, les gars. Mais tu vois, je vous avais expliqué le contraste de couleur, mais en vrai, j'aurais largement pu... mais tu vois, je vais pouvoir aller plus. Ça tue sa mère, hein, franchement. C'est la barbe qui pue. C'est la barbe qui pue que je vais tailler, je pense. Alors, chinois, on va essayer de faire quelque chose, les gars. Donc tu vois, quand t'es comme as, frère, c'est tes cheveux, tu vois. Regarde, tu peux regarder, hein. Tu peux regarder, les gars. Moi, je vous mytho pas, les gars. Je suis pas là pour vous raconter du flanc. Je te raconte un truc en plein jour. Maintenant, je te dis, vas-y, tricard quelque chose. Tu vois. Il y a un petit pli, j'avoue, j'ai un petit pli ici, mais tu vois, frère, je l'ai mis tout seul. Je suis face caméra. En vrai, il n'y a pas de pli. Il peut pas y avoir de pli normalement. Tu vois, mais je veux dire, et en plus, tu vois, c'est caché quand même avec les cheveux. Mais je veux dire, grosso modo, tu peux pas juger, frère, c'est ça tue sa mère. Tu peux pas dire le contraire. Regarde. Regarde, j'essaye d'être le plus carré possible. Frère, je peux pas mieux faire. J'ai une méga torche. Une méga torche. Le résultat est carrément spectaculaire, mon gars. Donc maintenant, t'imagines, tu pars chez le coiffeur et il te fait un bête de truc. Là, c'est sûr, tu finis en homme des cavernes, mais frère. De boule à Z, tu finis avec des cheveux. Et en plus, c'est solide, frère. Ouais, ça fait, ouais, bien, on veut boire une bière, mec. Écoute, on arrête tes conneries. On va boire une bière, allez. Bon, mais tu pourras juger. Après, j'ai changé de look en 2-2. Et tu vois maintenant le TikToker que je t'ai dit, qui met un bandeau, là. Tu vois le délire ou pas? C'est pas... Ouais, si, c'est un TikToker. Bon, les gars, on va passer à la coiffure. On va passer à la coiffure, les gars.
Moi, je pense la barbe, je crois. Frère, il faut noter que j'ai pas de barbeur, je dois faire tout seul. Donc, tu vois, c'est un travail qui se fait solo, frère, tu vois. Mais déjà, tu vois, avec la barbe, ça fait moins, on va la raccourcir encore, tu vois. J'ai un peu les cheveux. Moi, je suis pas barbe, hein. C'est juste la démon, la grégate d'administration. Hein. Les cheveux, je vais pas. Ah, si, il faut que je coupe un peu quand même l'arrière. Je sais pas comment je vais faire. Parce que je vais pas rentrer dans un délire coupe. Mais tu vois, tu peux même taper une queue de cheval, mon gars. Tu peux largement taper une queue de cheval, tu vois. Et tu vois, la ligne frontale, frère. Avoue, frère, tu peux pas mytho. Dis la vérité, tu vois. La barbe, c'est à voir, tu vois. Mais je veux dire, les cheveux, frère, ça fait le taf. C'est pour ça que je te dis, barbe et cheveux, je vois. Moi, tu vois, je te dis la vérité, en fait, clairement, j'aurais peur de me faire cramer, quand même, tu vois. J'aurais peur de... Faut assumer. Faut assumer, il y a des gars, ils vont se dire, ouais, vas-y, on va continuer. Si tu veux, après, faut bien nettoyer. Je sais pas ce qui va se passer. Je la raccourcirai bien un petit peu, tu vois. Là, faut que je la recolle un peu là.
C'est chaud. En fait, il y a un décalage. Tu vois, je vais les. Tiens, je vais mettre de la crème. Attends, tu peux couper les cheveux avant? Je vais me couper les cheveux avant, je pense. Que je les coupe là parce que les gars, ça va pas être facile ici. Je me suis même pas mis de cap, sa mère. Donc ça tue, mon gars. Petite crème noire, mon gars, quand t'as les cheveux qui sont pas du tout de la même couleur. Et ça marche aussi quand t'as une barbe. Quand t'as une barbe genre. Quand t'as une barbe blanche, tu vois, avec des poils blancs. T'es une autre personne. T'es une putain d'autre personne, mon gars. Frère, c'était pour vous montrer. J'espère que ce live vous a plu, les gars. Après, tu vois, t'as une petite finition à faire, tu vois. Tu vois, je suis pas bien, bien coupé, mais c'était pour vous montrer. Vite fait le délire, tu vois. Petite barbe, attends, je vais me coiffer la nuit. Frère, pour un mec qui avait pas de cheveux. T'imagines ou pas? T'imagines d'où je reviens? Et est-ce que tu comprends pourquoi, en fait, je suis pas stressé? Tu comprends pas, frère? Tu vois, tu comprends pourquoi je suis pas stressé? Et frère, tu vas à la douane comme ça. T'imagines? Tu viens, en fait, avec une tête et tu repars avec une autre. Ça tue ou pas? Tu vois? Plus de problème de cheveux, mec. Plus de problème de cheveux. Et tu comprends pourquoi je te dis fuck la greffe capillaire, mon gars? Je te dis fuck la greffe capillaire parce qu'on s'en bat les couilles, frère. Il y a mieux. En 2 heures, t'as des cheveux, frère. Je m'en bats les couilles, frère. Je vais pas partir. Attendre 10 ans, faire des piqûres, machin, frère. Alors que, alors que ça peut être plus rapide. Pourquoi tu veux se prendre la tête, frère? Tu viens? Tout beau, tout neuf. Mec, je t'ai fait ça en live. Je suis pieds nus, j'ai une entorse, frère, il est quelle heure? Il est 1h40 du matin, j'ai tapé toute ma journée, je t'ai montré vite fait l'exploit. Alors imagine-toi si je m'applique, moi déjà pour mes clients, moi je prends plaisir, tu vois, à faire des trucs comme ça. Je te dis la vérité, je prends plaisir, tu vois. Et encore, je suis sûr, j'aurais pu faire 10 fois mieux. 10 fois mieux. 10 fois mieux, les gars. Juste que je me nettoie un petit peu, tu vois, que je fasse ça mieux. Mais je veux dire, dans l'ensemble, les gars, je ne veux pas dire que ça tue pas, franchement. Moi, je trouve, c'est quelque chose. Mais t'as vu, je fais plus vieux avec une barbe. Moi, je ne me vois pas avec une barbe. Je te dis la vérité. Hein. C'est pour ça que je sais que je vais la sauter, la barbe, tu vois. Je ne vais pas mettre de barbe. Mais je veux dire, tu peux checker. Dis pas franchement que c'est moche. Regarde, franchement,
Après, tu vois, je te dis, je me suis fait un petit pli là, tu vois. Je suis tout seul, tu vois. C'est difficile quand t'es tout seul de pas te faire de pli. Je te dis la vérité. Mais je veux dire, dans l'ensemble, frère, on voit pas, tu vois. Je regarde juste derrière. Non, franchement, on a même derrière. Regarde, je te montre, hein, frère, je suis pas un mytho. Tout seul. À 1h42. Dis-moi que ça fait cramer. Dis-moi. La barbe, je ne parle pas de la barbe, c'est pas. Moi, c'est parce que j'ai voulu faire une démonstration. Mais je veux dire, je te parle surtout des cheveux, tu vois. Les cheveux, franchement. C'est solide, c'est tranquille. Et comme je te dis, tu vas voir une meuf, t'as pas besoin de t'afficher, frère. Pourquoi tu veux t'afficher? Pourquoi tu veux raconter ta vie? Tu racontes rien. Tu racontes rien. Tu laisses comme ça. Et puis voilà. Putain, mon gars, j'ai une gueule de daron, mon gars. Putain, faut juste que je nettoie le truc là. Ouais, franchement, gros cheveux et tout, putain. C'est sacrément beau. C'est sacrément beau. Et après, qu'est-ce que tu fais, mon gars? Comme en cuisine, tu nettoies le plan de travail. Le plan de travail, c'est tout ce qui est un peu. Frère, c'est les coulisses, c'est comme un bijoutier joaillier, mon gars. Tu peux avoir du noir par-ci, par-là. Après, t'as peaufine, frère. Après, t'embellis le truc, tu t'en bats les couilles. T'as la base. Et après, c'est à toi de travailler le truc, tu vois. Pour te faire des bons contours, te faire un bon truc, tu vois. Et là, le problème, c'est que tu vois, j'ai mis du truc, il s'est mélangé un peu à la colle, tu vois, il aurait fallu attendre, en vrai. Tu fais ça, t'attends bien. Ah, franchement, ça tue quand même, hein. Franchement, tu peux pas dire le contraire. Non. What's good? Bonjour mon gars. Comment How ça va are mon gars? you? You alright? Do you speak French? No, just un peu, un peu. English? Yes. Yes, okay. It's Non? good. It's good. Tu vois, tu parles anglais? Light, light, light. Un peu, un peu. Little. Little, little. Little. Do you like? Your beard? Yeah, big on the air. Is that real? Is that real? Fake, fake, fake. Yeah, I can tell that's fake. Take it off. Take it off. Yes. This. Yes, fake. My this fake. My fake. Yes. من أين أنتم يا حمد؟ والله أنا من السودان ودي من إنجليز. Oh, is that fake? Yes, fake. لا لا. Bye, manga. Good أبغى. night. Bon les gars, quand je vous dis que je fais de l'international, frère, j'ai l'impression que je vais avoir grossir ma voix. Tu vois le gars comme ça avec des gros biceps. Tu te sais d'autres personnes, frère, et t'impressionnes comme ça, tu vois, dans la rue. Frère, ils sont pas tous comme ça, les videurs. Tu rentres pas. Parce que j'ai dit non. J'ai dit non, je suis pas d'accord. J'ai dit non. Et tu vas faire quoi? Frère, ça te déglingue bien. Ah putain! Je sais pas quoi te dire, mon gars. Allez, Christelle. Bonjour, Christelle. Yes? Do you speak English? Non, c'est pas Christelle, c'est Cyrielle. Cyrielle? Alors, que me vaut ton honneur? Que me vaut ton honneur? En fait, tu veux venir sur le live, en fait, tu restes figé. À quoi ça sert que Oula, tu tu viennes? bugs. Comment? Je bug?
T'as bugué. J'ai bugué. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, t'avais bugué, ouais. Du coup, tu m'avais dit quoi? Que me vaut le... T'as quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour Ben, je sais toi? pas. Raconte-moi ta vie, je sais pas. Ah mais tu vois bien, ma vie, c'est une vie de Raconte-moi ta prothésiste. vie. J'ai une vie de prothésiste capillaire. Attends, 2 minutes. Wow, t'as invité combien de personnes? Salam alaikum. Alaykoum salam, comment ça va? Ça Ça va va? frérot? Et toi frérot, qu'est-ce que je peux Ça faire pour va? toi? Tu viens comme ça, passer à coucou? Pourquoi tu t'es un date? Comment? Tu t'es un date? Pourquoi tu me dis ça? Ben je sais pas, je